Hey, salut à tous, c'est Alex, je suis avec Capucine aujourd'hui pour une nouvelle recette. Vous allez voir, c'est de la frappe. Alors, il n'y avait pas Jacopo aujourd'hui pour nous filmer, donc c'est moi qui vais filmer. Donc, qu'est-ce que c'est la recette? Des petits roulets de pain perdu. Petits roulets de pain perdu. Alors, il vous faut 2 œufs, de la stevia, des fraises, de la pâte à tartiner maison. Vous pouvez retrouver la recette juste ici, de l'huile de coco, du lait et des tranches de pain de mie complet sans croûte. Oh là là, le travelling, waouh. Alors, il vous faudra une poêle, un rouleau à pâtisserie, un fouet et un récipient. Je casse 2 œufs. Je les bats. Et j'ajoute 40 cl de lait. Je mets de la stevia dans une assiette. Ce sera pour rouler nos petits pains. Donc maintenant, je vais préparer le pain. Il faut l'aplatir légèrement. Donc maintenant, je prépare les petits roulés. Oula, ça donne envie ça! Bon, les 400 roulés, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On les trempe dans la préparation œuf-lait, on les roule dans la stevia et ensuite on les fracasse. Ok, c'est parti. Ok, les 4 sont prêts à passer à la poêle. On va faire que ça avec l'huile de coco, bien sûr. C'est sa spécialité. Ça va être déco avec 2-3 petits copeaux de noix de coco. Et ben voilà, la recette est terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous plaira. Vous allez voir, c'est vraiment une frappe. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Cap pour toutes ces recettes. Ah, vous connaissez, hein. D'ailleurs, vous allez être obligé d'aller regarder la vidéo si vous voulez faire cette recette, parce que la pâte à tartiner, c'est sur sa chaîne. Bref, si vous faites la recette, n'hésitez pas à nous taguer avec le hashtag recette BT. C'était Alex Lignac avec Cap. On se dit à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche. Par mètre, les blancs. C'est ça. Donc nous, on a pris 4 petits ramequins. C'est pour 4 personnes la recette, oui. À peu près. Ouais. Ok. Vas-y, fais. Hein?